onze overheid zit in slechte papieren. Er dringen zich dan ook zware besparingen op. En dus is de toekomst van onze sociale zekerheid in gevaar. Tegelijkertijd stellen we vast dat een klein groepje superrijke mensen amper belastingen betaalt. Deze mensen vergaren fabelachtige fortuinen, maar dragen nauwelijks bij tot de samenleving. Grote bedrijven halen alle trucken uit de kast en ontwijken op die manier vele miljarden belastingen, terwijl de gewone man kreunt onder de belastingsdruk. Als we de toekomst van onze welvaartsstaat veilig willen stellen, zullen we onze fiscaliteit moeten hervormen. En daarbij zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Si on regarde l'évolution depuis 30 ans, on se rend compte que la richesse qu'on produit en Belgique par an, elle augmente, mais la part du gâteau évolue de manière assez étrange. C'est que les bénéfices des sociétés, on voit sur 30 ans, elles ont doublé, la part du gâteau pour les bénéfices des sociétés a doublé, alors que la part des salaires des travailleurs, elle, a diminué d'autant. Et donc, c'est quand même assez interpellant. Alors, on pourrait se dire, l'impôt est là pour... remédier à cette inégalité. België is een zeer rijk land. Gemiddeld zouden we elk zo'n 160.000 euro op de rekening hebben staan. Maar gemiddelden zijn maar gemiddelden. Als we gaan kijken hoe het vermogen in België verdeeld is, dan zijn de cijfers opmerkelijk. 15% van ons leeft onder de armoedegrens. De 10% allerrijkste daarentegen zitten er warmpjes in. Zij zijn immers goed voor 53% van het financieel vermogen. Meer dus dan de overige 90% van de Belgen samen. Au cours des 20 dernières années, les écarts entre les riches et les pauvres ont augmenté. Et c'est en partie dû au fait que les riches ont pu échapper à la fiscalité. De belastingen zijn de bloedtoevoer van onze welvaartsstaat. Het principe van elk modern belastingssysteem is dat de sterkste schouders de grootste bijdrage leveren. De fiscus werkt in theorie als een herverdeler binnen de samenleving. On a beaucoup d'indices qui montrent que ce n'est plus le cas. Que le système fiscal dans son ensemble n'est plus redistributif. Et qu'au contraire, vis-à-vis de certaines catégories sociales, notamment les plus riches, le système fiscal ne joue plus aucun rôle de redistribution. Si on veut expliquer les choses aux gens, si on leur donne des chiffres, des statistiques, ils ne réalisent pas exactement ce que ça représente. Si maintenant on leur donne la fortune d'une famille comme la famille de Spoelberg, qui est actionnaire, le premier actionnaire de InBev, la bière Jupiler, Stella Artois, et qu'on leur dit que c'est une fortune de 14 milliards, Ça va déjà leur dire un peu plus. Si on leur dit que cette fortune a été multipliée par 15 depuis 10 ans, ils se rendent compte encore un peu plus de ce que c'est. Si on leur dit qu'en mettant un impôt de 2% par an sur une telle fortune, on pourrait augmenter de 100 euros par mois la pension de 300 000 pensionnés, là, les gens commencent à comprendre encore un peu plus. Donc je pense que l'exemple, c'est la valeur de l'exemple pour expliquer en fait le pouvoir de l'argent dans notre pays. Een van de onrechtvaardigheden in het huidige systeem is dat arbeid veel zwaarder belast wordt dan inkomen uit kapitaal. Het totale plaatje van de fiscale inkomsten toont aan dat 53,9% komt uit arbeidsinkomen en slechts 7,3% uit vermogen. België is op dat vlak quasi een belastingsparadijs. Het zijn de 10% rijksten die de vruchten van deze zeer voordelige fiscaliteit op zak steken. Degenen wiens inkomen gekend is, zullen het meeste belasting moeten betalen. De werkenden die ook aangesloten zijn bij de sociale zekerheid, moeten aangesloten zijn bij de sociale zekerheid. Waar men de sociale zekerheid bovenop nog een keer moet betalen, dat is een
zeer zware druk van de belastingen. Er zijn anderen die een vennootschap oprichten of die het statuut van zelfstandigen gaan gebruiken eigenlijk om minder bijdrage te moeten betalen, of die op een bepaald moment hun inkomen onder de vorm van kapitaalmeerwaarde gaan incasseren, waar nul tarief eigenlijk op staat, en die vermijden elke vorm van belasting. Het is evident dat dat niet houdbaar eigenlijk is, dat dat geen duurzame situatie is. Er zijn op dit moment verschillende voorstellen om het vermogen te belasten. Zo is er het voorstel om een progressieve belasting in te voeren op het gedeelte vermogensbezit boven de 1 miljoen euro, de eigen woning niet inbegrepen. Enkel de 2% rijkste wordt hierdoor getroffen. De totale opbrengst van zulk een vermogensbelasting op de 2% rijkste kan in het totaal 8,7 miljard euro opleveren. En fait, je travaille sur un guide du Richard. Et donc, c'est un guide qui va comporter des photos. Et donc, c'est normal d'avoir quelques photos dans le guide du Richard. L'idée, c'est de montrer un peu par des visites, par des exemples, un peu quel est le réel pouvoir de l'argent dans notre pays. Il y a des fortunes gigantesques, c'est les fortunes que je suis en train de montrer. Et puis d'un autre côté, il y a les travailleurs. Et donc l'effort budgétaire qui est demandé pour les années à venir, hein, c'est un effort immense, 22 à 25 milliards d'euros hein, à trouver, d'efforts budgétaires. Alors soit on va diminuer les pensions des gens, leurs salaires, etc. Soit on va prendre l'argent plutôt là où il y en a. Ça, c'est le choix qui s'offre au gouvernement. Je ne fais pas d'attaque personnelle, je n'ai rien contre telle ou telle famille. Moi, ce que je veux, c'est montrer par des exemples bien réels quelle est la situation, pourquoi les choses ne peuvent pas continuer comme elles le sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait changer, quelles sont les inégalités dans ce pays. Mon bureau, on est donc ici au ministère des Finances à Mons, hein. On est à l'impôt des sociétés, au deuxième étage, c'est mon bureau, mais bon, on ne peut pas filmer ici, il y a déjà eu une équipe de la RTBF qui est venue filmer dans mon bureau, et j'ai eu quelques petits ennuis avec la hiérarchie, donc on ne va pas reproduire cela. Et donc malheureusement, la caméra ne peut pas entrer dans le bâtiment. C'est un bâtiment que l'État a revendu il y a quelques années à une société américaine, privée. Et l'État donc prend en location ce bâtiment. Elle paye chaque année 1 million d'euros pour un bâtiment qui a été vendu 9 millions. Et donc ce qui est pas mal à souligner, c'est que la société qui a racheté le bâtiment, c'est une société qui est installée au Delaware, donc un paradis fiscal notoire. Donc c'est une société dans un paradis fiscal qui est le propriétaire du ministère qui est chargé de lutter contre la fraude fiscale. C'est le signe d'une désorganisation générale et globale qui touche le ministère des Finances depuis que Didier Reynders est ministre des Finances, c'est-à-dire depuis 1999. Het personeel van het ministerie komt handen en middelen tekort om op een ernstige manier de fiscale fraude te kunnen bestrijden. De werkelijke omvang van de fiscale fraude is moeilijk in te schatten. Maar verschillende studies hebben aangegeven dat de overheid door fraude in België heel veel geld verliest. Maar wat misschien ook frappanter is, is wat de overheid verliest door de legale achterpoortjes die ze zelf invoerden. Deze belastingverminderingen lopen op tot 60 miljard euro. Een veelvoud van wat de overheid nu tekortkomt. En ook hier zijn het de sterksten die er het meest van profiteren. De samenleving ziet zo vele miljarden in rook opgaan. J'ai découvert un peu par hasard que ArcelorMittal payait seulement 496 euros d'impôts sur plusieurs milliards de bénéfices. Ça, c'est le genre de chiffre, évidemment, qui impressionne tout le monde. Et c'est normal, on ne comprend pas comment une société peut payer moins que vous alors qu'elle fait 1 milliard 3 de bénéfices. Voilà, et donc j'ai commencé à élargir mon terrain d'investigation, à voir
d'autres grands groupes comme Janssen Pharmaceutica, combien ils payaient. Je me suis rendu compte qu'ils ne payaient pratiquement pas d'impôts non plus. Voilà, et donc, face à cette découverte, que plus je prenais des sociétés, plus on voyait qu'elles ne payaient pas d'impôts, je me suis dit, ben, il faut un peu élargir le champ, voir un peu de manière plus générale, est-ce que c'est un phénomène global ou est-ce que c'est tout à fait des cas particuliers ? Bierbrouwer AB InBev, Umicore of medicijnfabrikant Pfizer, allemaal hebben ze vorig jaar minder dan 0,5% belastingen betaald. De normale belastingvoet voor vennootschappen is 33,99%. De bedrijven halen die laag belastingvoet door allerlei fiscale trucjes en ze doen eigenlijk niets onwettelijk. Maar de staatskas loopt daardoor meer dan 14 miljard euro mis. Marco van Ees ontdekte dat de 500 bedrijven met de grootste winsten gemiddeld amper 3% belastingen betalen. De 50 grootste belastingontwijkers onder hen slagen er zelfs in om gemiddeld 0,3% belastingen te betalen. Les chiffres sont assez fous. Je prends juste un exemple, le numéro 1 du top 50, InBev, qui a généré plus de 6 milliards d'euros de bénéfices et qui au final paye 0 euro d'impôt. Alors comment c'est possible ça en fait ? Eh bien, c'est possible grâce à la législation fiscale belge, hein, parce que bah, chacun sait plus ou moins que la Belgique est assez dure en matière fiscale pour la population. Hein, on peut dire que c'est un enfer fiscal pour les salariés, mais c'est à la fois un paradis fiscal pour les grosses fortunes et pour les grandes entreprises. Ook Electrabel passeert weer eens langs de kassa en betaalt amper 0,04% belastingen. Het dossier Electrabel leest dan ook als een handboek belastingontwijking voor bedrijven. Op 5 jaar tijd heeft Electrabel op die manier in totaal 1,8 miljard euro aan bedrijfsbelastingen ontweken. Dit is niet eerlijk naar de belastingbetaler toe en vooral Electrabel maakt ook monsterwinsten op kap van zeer hoge facturen voor die burger. De burgers in België betalen van de hoogste energiefactuur binnen heel Europa. En als je dan ziet dat het bedrijf dat daardoor internationaal monsterwinsten maakt in dit land nauwelijks belasting betaalt, dat is wraakroepend. Dit is rover. De overheid argumenteert dat deze maatregelen werkgelegenheid creëren. Dit is echter nog maar zeer de vraag. Ben, je l'ai montré dans le top 50 que j'ai réalisé des plus gros cadeaux fiscaux. J'ai justement en même temps regardé l'évolution de l'emploi de ces 50 sociétés. Et ce qu'on voit, c'est que de 2008 à 2009, ces 50 sociétés ont supprimé 2500 emplois. De bedoeling moet toch zijn dat we meer mensen aan het werk hebben en dat uiteindelijk onze hele samenleving er beter van wordt. Wat zijn we met maatregelen die alleen maar moeten dienen om de dividenden of de uitgekeerde dividenden van bedrijven te verhogen, waar aandeelhouders veel aan hebben, maar wij als samenleving niets. Denk in een moderne economie moet je de belastingen zo laag mogelijk houden, maar zo breed mogelijk eigenlijk proberen te innen. En nu zijn er tal van achterpoortjes of groepen, vormen van activiteiten, vormen van inkomen die amper of niet belast worden, zodanig dat die herverdelende functie, als je het globale beeldje bekijkt eigenlijk, in het gedrang eigenlijk komt. En dat enkel degenen nog belast worden die niet weg kunnen, die achterpoortjes niet kennen. Het lijkt wel alsof alleen gewone mensen nog belastingen betalen. De grote vermogens, sterke bedrijven, speculanten, ze blijven allemaal buitenschot. En ze verrijken zich ten koste van de gemeenschap. Met die tendens willen we een halt toeroepen. Herverdeling via fiscale rechtvaardigheid is nodig om onze sociale welvaart veilig te stellen. Het FAN is een netwerk van vakbonden, sociale actiegroepen en Noord-Zuidbewegingen. Allemaal ijveren ze voor fiscale rechtvaardigheid. Hun concrete voorstellen, zoals een belasting op de grootste fortuinen, een efficiënte aanpak van fiscale fraude, een rechtvaardige vennootschapsbelasting en de taxatie van de superwinsten van Electrabel. Dat allemaal samen kan de federale overheid jaarlijks 25 miljard euro opleveren. Laat het grote geld dus niet ontsnappen. Daar worden we allemaal beter van.